Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce cycle d'enseignement sur les enseignements du Rav Dessler. Donc on va essayer ensemble de réfléchir. Il y a une notion incroyable dans la parashat Noach, au moment où HaKadosh Baruch Hu, entre guillemets, a décrété que c'est la fin de la civilisation, c'est la fin du monde et que tout va être détruit. Le langage qui est employé, il est un petit peu ambigu, parce que c'est pas écrit clairement que Dieu a décrété la destruction du monde. C'est marqué « Ket kol basar ba lefanai »« La fin de toute chair est venue devant moi ». Ça sous-entend qu'en fait, Hachem n'a pas activement décrété et appliqué la destruction du monde, mais qu'il a, entre guillemets, assisté à l'autodestruction du système. C'est-à-dire que le monde lui-même, il s'est autodétruit par le fait qu'il a enlevé le vecteur directeur essentiel de la création. Tout le monde connaît ce principe que Olam Chesed Ibané, le monde est construit par la bonté. Et la Torah témoigne que le monde n'a pas été détruit parce que les hommes ont fait l'idolâtrie ou la débauche ou alors le meurtre, mais à cause de Hamas. Hamas, qu'est-ce que c'est? C'est une forme de cruauté pervers d'aller chercher toujours à utiliser l'autre pour prendre et non pas pour donner. On sait que le monde, il véhicule deux grandes forces. Une force qui s'appelle Koach HaNetina, la capacité de donner, et Koach HaNetila, la capacité de prendre. Maintenant, quand quelqu'un est dans une logique de donner, en fait, il est dans la logique de la perpétuité du monde. C'est ce qui va faire que le monde continue. C'est-à-dire que chacun donne à l'autre. Mais quand on est dans la logique de prendre, alors la prendre, c'est destructeur. C'est-à-dire que quand je prends une pomme et je la mange, la pomme, elle est détruite. Mais comme le monde est fondé entièrement sur le don, mais pas le don comme nous, on l'entend au niveau humain, c'est-à-dire la générosité, la gentillesse, la tolérance, l'ouverture à l'autre. Et ça va beaucoup plus loin. C'est que tout le cycle du système, il est fondé sur la bonté. Par exemple, l'équilibre des planètes dans l'univers, il est basé sur des forces extrêmement puissantes d'attraction et de rejet, et qui sont en fait une forme de bonté. C'est-à-dire que si Jupiter reste à sa place, entre guillemets, c'est parce que Saturne, elle va avoir un certain effet sur elle. Et de la même manière, la Lune, elle a un effet sur la Terre, puisque les marées sont provoquées par les mouvements de la Lune. Mais de la même manière, quand le lion, il va manger l'antilope, en fait, grâce à ça, ça régule le nombre d'antilopes, donc ça fait une montée pour le troupeau. Et les restes du lion vont être mangés par le vautour, par la hyène, donc en fait, le lion a fait une montée avec la hyène. Ensuite, les restes de la hyène vont être mangés par le vautour, donc en fin de compte, la hyène a fait de la montée avec le vautour. Après, les fourmis vont manger les restes du vautour, donc le vautour a fait de la montée avec les fourmis. Ensuite, que l'os est entièrement nettoyé, il va tomber en poussière. Et donc, c'est les sels minéraux qui vont rentrer dans la terre. Après, ces sels minéraux, ils vont rentrer dans l'herbe. L'herbe, elle va être mangée par l'antilope et le cycle recommence. Maintenant, ce lien-là entre la bonté de l'un et la bonté de l'autre génère le système, comme les abeilles. Ouais, Albert Einstein, il a dit bientôt, il n'y aura plus de fruits parce qu'il y a de moins en moins d'abeilles. Alors, il faut savoir que s'il n'y a pas d'abeilles, il n'y a pas de pollinisation, c'est-à-dire que la fleur produit du pollen, et l'abeille, elle va chercher le pollen. Mais comme il y a des fleurs mâles et des fleurs femelles, la fécondation des fleurs, elle se fait par le déplacement d'une abeille d'une fleur à l'autre. Maintenant, s'il n'y a plus d'abeilles pour féconder les fleurs femelles, automatiquement, il n'y aura plus de fruits, parce que les fruits, avant d'être des fruits, c'est des fleurs. Donc si les abeilles ne vont pas d'une fleur à l'autre, automatiquement, il n'y aura plus de fruits. Maintenant, même cet échange-là, il est fondé sur le chesed, puisque la fleur, elle donne du pollen à l'abeille, et l'abeille, elle féconde la fleur. Donc si on casse ce cycle-là, et qu'on remonte le cycle jusqu'au plus profond, ça s'appelle les atomes crochus. Donc il y a un atome avec 32 électrons, et un atome avec 28 électrons, donc ils sont entièrement différents. Mais quand celui de 32, il va donner deux atomes, entre guillemets, à celui de 28, ça fait 30-30, ça fait des atomes crochus. Les atomes crochus, ça crée l'harmonie dans la matière. Donc quand l'harmonie dans la matière n'est plus mise en place, elle disparaît, comme par exemple dans l'uranium ou dans une bombe atomique, qui est une matière, l'uranium est une matière fissible. Donc en fait, quand il y a une cassure d'échange entre les atomes, ça crée une cassure au niveau du monde, et c'est ce qui fait tout exploser. Il dit, le problème, c'est que comme l'homme, il est à l'origine, il est le sommet du monde, donc les mauvais comportements de l'homme à l'époque de Noir, qui étaient entièrement basés sur l'égoïsme, en fin de compte, ont influencé les animaux, qui sont devenus entre guillemets aussi égoïstes. Ensuite, ça a influencé les végétaux, ensuite ça a influencé les minéraux, et après ça a influencé l'essence de la matière. Et quand l'essence de la matière elle est touchée, donc ça crée une explosion atomique. Et à ce moment-là,
ça veut dire que le système lui-même, il s'autodétruit, et Hachem n'avait pas besoin d'intervenir pour le faire, puisque quand on a enlevé le vecteur directeur de la création qui s'appelle la bonté, donc l'homme, le monde est passé au Hamas, et le Hamas c'est un système d'autodestruction, donc effectivement, Hachem n'a pas décrété la destruction du monde, par contre il a assisté à l'autodestruction du monde par l'homme lui-même, ce qu'on appelle « Veketz kol basar balefanaï », la fin de toute chair est venue devant moi. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.